I don't want to be this kind of people who be recognized every time I go out or something like this. This is not real. I became more quiet, I'm more shy. I don't want to hurt anyone. You are a legend, you are Messi or Ronaldo. It's like, oh, this is Zayu. So hello, I'm Mathieu Abo, 21 years old, and I'm coming from Lens, a small city in north of France. So welcome. There's not a lot of things to do in Lens. My parents work in the bar at the beginning when I was really young. And every weekend, every day, we see like Lens matches for the football club. Every night it was fighting, too many people drunk, and me rocking around. She was like trying to see me, give me drink, trying to, where's my turn? Okay, give me drink. It was impossible for her. So I was just staying upstairs, not moving with my brother. Présente, je donne mon nom. Nathalie Fontaine. Je suis la maman de deux garçons, donc Mathieu et Thomas. Alors, lorsque j'avais les bars, non, les enfants avaient interdiction. Pas un milieu pour un enfant. You are four, me, my brother, my grandma et my mother. We are really close because we almost live in the same house. My mom was more like the leader of the family. C'était juste faire leurs devoirs, ils avaient le droit à la télé, faire leurs jeux, mais pas plus. Un peu strict. Ça va, loulou? Ben oui! If someone needs help, someone needs something, you're gonna be there for them. You can feel like the family is really strong in the house. Yeah. Mathieu a commencé à jouer aux jeux vidéo, il ne savait pas encore marcher. Tout simplement parce que moi j'adore les jeux vidéo, j'adore. De ce fait, moi je lui mettais juste une manette, alors il était entre mes jambes, par terre, je lui laissais juste une manette parce qu'il pensait qu'il pouvait jouer. So I have a really good relationship with my brother. It's because of him I start CSGO, CSS, every game. He start to buy this first computer, so I start to play with him. Et déjà petit, il me tuait bien fort sur les jeux, c'était... je prenais cher. C'est un peu des années plus tard, mais du paintball. On a fait du paintball ensemble. Ça, c'était douloureux, ça. C'était douloureux, mais c'était kiffant. On revivait ce qu'on vivait sur le jeu. Finalement. On le vivait en vrai, ensemble. Du coup, comment tu t'es senti quand t'as su pour ce qui s'est passé pour papa un moment et... When I was 9, 10 years old. So I thought the relationship with my dad and my mom was good. But at one moment, they decided to do divorce. My dad cheated on my mom. It's tough to say, but when she announced that, we just left the home. Of course, I know my mom is not gonna stay with my dad for that. And so we just leave the house with nothing. Without clothes, didn't take any money. And we come to my grandmama. My grandmother wasn't there. I think I was in the streets. No money, nothing, no house. I was in the streets. Et Mathieu a été, je vais pas dire qu'il avait accepté la situation. Donc il a vite été très très en colère. Every day I was saying, crying, close to my grandma. Calling friends and crying again for almost 2 months. So of course I was really sad. And also I think this is also the moment where I really start to play video games. Because I think maybe I wanted to forget what just happened. I was playing almost 10 hours a day. When I come back to school, I was playing. The weekend I was playing, holidays I was playing. I didn't stop. I was playing all the day. It was kind of my escape. I became more quiet, I'm more shy. I don't want to hurt anyone. It changed me a lot, this situation. Yeah. Mais il aimait bien rester dans sa chambre, cloîtré avec son casque, son micro, les potes en stream, et puis il se faisait son cocon. At the end of the month, I was like, 400 games. Yeah, I was feeling really good.
Mathieu était content, hein. Mathieu descendait parce qu'au départ il jouait dans sa chambre. On m'a proposé autant pour si je peux arrêter l'école et que je pars directement dans une structure. I just think like, to him, yeah, I'm a Vitality, ask me to join the team, what do you think? Par la peur, d'abord, tout de... mais bien, il venait d'avoir 18 ans, même pas, non, même pas, je crois. It was a dream for me to jump kind of the legend of CS, of French scene. It was a bit like kind of a dream, but I was happy to jump them, yeah, of course. Je suis très fière de lui parce que justement il n'a pas changé ces valeurs-là et même il a dû faire face à la concurrence, on va dire, dans ce milieu-là. Et il a toujours donné le top de lui-même. J'essaye. Voilà, il essaye de s'améliorer au quotidien. Voilà, il évolue à chaque fois, chaque jour, donc je suis fière de lui. Oui. Bah, moi, je dirais une chose, continue à rester toi-même et continue à performer comme tu le fais parce que tu défonces tout le monde. C'est dingue. J'aimerais bien continuer quand même. Mais tu vas continuer, t'inquiète pas. Au revoir tout. Déjà à cette époque-là, j'avais un petit peu conscience de ton niveau. Enfin, ouais, tous les jours, t'es à côté de moi, je suis obligé d'en parler, je suis obligé de montrer aux gens qui c'est mon petit frère, quoi. C'est... Non, tu restes ma plus grande fierté et je serai toujours fier de ce que tu fais, de toute façon. Lorsque Mathieu joue, je suis devant ma télé. Il peut jouer à 4h au matin, comme il peut jouer à 13h, comme à 20h. Je ne loupe aucun match. Aucun. I think everything I do for now is for my mom. This is a success to feel my mom proud. Et tu as conscience qu'il fait ça beaucoup pour toi? Non, j'en avais pas conscience. Non, j'en avais pas conscience. Et ben, il va être encore meilleur alors. I want to make them smile every time I can. Yeah, maybe my legacy is gonna be, you know, just to make happiness to my mom, my brother, or my grandma. Yeah, legacy for my family.